Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai reçu quelques commentaires me disant que vous voulez faire que je vous fasse découvrir de l'agilité et que je vous montre quelques exercices. Du coup on va faire de l'agilité. Donc déjà qu'est-ce que l'agilité? Donc l'agilité c'est des exercices d'obéissance, on va le faire par exemple passer dans des tunnels. Vous pouvez voir là il y a un tunnel, après on va le faire sauter. Donc on va utiliser les friandises que j'avais faites dans ma dernière vidéo, donc je vous mets un lien là si ça vous intéresse. Et puis bah on est parti, c'est parti. Bon bah pour commencer du coup on va faire le premier exercice. Donc je vais vous montrer plein de moyens différents de faire sauter son chat. Donc là on va faire sauter, on va commencer bas et puis après on va augmenter un petit peu, on va voir s'il y arrive. Donc moi j'ai trouvé une technique, je le fais asseoir un peu plus loin. Je m'éloigne et après et je lui dis de sauter. Je lui dis de sauter et comme ça je m'éloigne et comme ça il sait déjà qu'il faut qu'il saute. Je vais vous montrer. Cookie, assis, pas bouger. Tu vas sauter, ok? Cookie, viens, elle saute. Bien, assis. Puis dès qu'il y arrive bien, on lui donne une friandise et on le caresse un peu pour le récompenser. Allez viens, on va monter un petit peu la barre et on va voir s'il y arrive toujours. Allez viens, cookie. Là. Hop. Donc je vais t'asseoir. Cookie, tu vas sauter. Cookie, tiens, elle saute. Oui, c'est bien. Assis. Tiens, c'est bien. Donc bon, on va toujours monter là-bas, on va voir jusqu'où il va pouvoir aller. Cookie, viens, elle saute. Oui, dommage. Il était presque. Et on va essayer à cette hauteur-là, une dernière fois. Et je pense qu'après, ce sera sa limite maximale pour le moment. Ok, allez viens. Assis. Tu sautes. Allez viens. Saute. Oui. C'est bien. C'est bien. Bon bah maintenant, je vais vous montrer un autre moyen de faire sauter son chien. Bon bah du coup, maintenant, on va augmenter un peu la difficulté. On va le faire sauter dans ce cerceau. Donc on va commencer toujours, on lui dit, Cookie, assis, tu sautes. Et puis après on va lui dire de venir. Cookie, tu sautes. Allez viens, saute. Ah, voilà, on va essayer. Cookie, viens là. Assis. Saute. Non, saute. Oui, c'est bien. Allez, on va essayer une fois. Cookie, saute. Oui. Cookie, saute. Oui, c'est bien. Donc vous voyez, là ça va être un peu plus compliqué. Faut prendre un peu plus son temps pour le faire sauter dans le cerceau. Une fois qu'il a compris, ça va bien. Cookie, et plus haut. Cookie, saute. Oui. Cookie, saute. Oui, c'est bien. Assis. C'est bien. Bon bah maintenant, on va essayer encore plus dur. Cookie, il est un peu plus loin et puis on va essayer de le faire sauter. Cookie, viens, et saute. Saute. Oui. Ah bah. Bah alors, tu t'es emmêlé les pinceaux. Hein. Allez, sors. Cookie. On va réessayer. Hein. Cookie, viens là. Viens. Assis. Stop. Tu sautes. Et viens. Saute. Oui. Là, c'est bien. C'est bien. Il faut bien le récompenser, vraiment. C'est ce qui fait les trois quarts du travail. Hein. C'est bien, Cookie. Bon, maintenant, on va passer au troisième saut. Bon, bah, maintenant, pour le troisième saut, on va essayer de le faire sauter sur le premier et qu'il s'assoie sur le deuxième. Donc, je vais lui dire qu'il saute assis. Cookie, saute assis. D'accord, pas bouger. Et puis pour l'aider, je lui montre bien le parcours et ça l'aide vachement. Ok, bien, saute. Assis. Ah, t'es pas assis là. Assis. Voilà. Allez, on réessaye. Ok. Ok. Allez, viens. Viens le chat. Là. Assis. Ok. Saute. Assis. Ok, viens. Saute. Assis. Voilà, c'est bien. Voilà, donc il faut vraiment le récompenser. C'est ce qui fait vraiment, quand on le récompense, pas forcément avec de la nourriture, mais le caresser et tout, ça le permet qu'il soit content et qu'il sache qu'on est content et fier de lui. Hein, c'est bien, mon chien. Allez, saute. Bon, bah maintenant, on va faire le dernier, on va faire un double saut. Tu vas sauter sur la première et sauter sur la deuxième. Cookie, saute, saute. D'accord? À bouger. T'es prêt? Eh bien, saute! 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 Oui! C'est bien, doucement. C'est bien ça.
puis maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On fait juste une petite pause parce que Cookie il a super chaud. Et puis après on est reparti. Bon bah pour le deuxième exercice, on va le faire passer dans le tunnel. Donc moi j'ai trouvé une solution, vous allez voir. Cookie, viens là, viens. Assis, pas bouger. Donc vous le mettez du côté du tunnel et après vous vous mettez un peu dans le tunnel et vous l'appelez. Cookie, viens. Oui, c'est bien ça. Viens, viens. Et puis après, on va essayer de le faire passer dans le tunnel sans qu'on se mette de l'autre côté. Cookie, viens. Là, allez, va. Ah, oui, viens. Ah, bon, on réessaye. Cookie, assis. Va. Oui, va. Oui. C'est bien. Doucement. C'est bien. Va. Là. Allez. Oui. Allez, viens. C'est bien. Oui, Cookie. Oui. Voilà. Assis. C'est bien. Puis on va passer à l'exercice numéro 3. Bon bah pour l'exercice 3, on va lui lancer le frisbee et puis il devra le rattraper en vol. Donc pour commencer, on va essayer de le faire pas très lent pour qu'il essaye à rattraper. Cookie, t'es prêt? T'es prêt? Allez, va. Dommage. Allez. Donne. Dan, c'est bien. T'es prêt? Allez, va. Oui, c'est bien. C'est bien. Chop. T'es prêt? Allez, chop. Oui, tu chop. 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 Oui. Chop. Dommage. C'est bien. Bon bah maintenant on va faire la quatrième activité. Donc on va essayer de le faire slalomer. Donc moi j'utilise le mot zigzag pour qu'il passe entre les poteaux. Donc pour Cookie, il a un peu plus de mal à faire cet agrès. Cookie, viens, zigzag, allez, viens, 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 allez, là, oui, c'est bien, allez, zigzag, c'est bien, allez, allez, viens, voilà, c'est bien, voilà. Donc vous commencez vraiment, vous lui mettez la plante du sous-nez, et puis plus il va y arriver, plus vous direz à la fin, vous juste de zigzaguer, puis zigzagera entièrement. Tu es prêt? Allez, viens, zigzag, allez, là, oui, allez, oui, c'est bien, là, oui, Cookie, zigzag, c'est bien, zigzag, allez, oui, c'est bien. Vous voyez, il y a encore un petit peu de travail pour qu'il zigzague, mais c'est bien, il progresse bien. Bon, bah, c'est parti pour l'exercice numéro 5, donc on va mélanger tous les agrès et on va tout faire ensemble. Viens, allez, saute. Oui, là, zigzag, zigzag, Cookie, allez, viens, oui, zigzag, allez, Cookie, là, allez, viens, oui, allez, viens, Cookie, allez, viens, oui, Cookie, 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 allez, viens, Cookie, viens, viens, oui, oui, c'est bien, Cookie, assis, 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 c'est bien. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 et puis comme ça je pourrais refaire travailler Cookie pour qu'il soit encore meilleur sur les agrès. Allez, à dans un mois. Chop. Chop. Elle vient de pondre. Cookie, tu es prêt? Allez, viens, zigzag. Allez, viens. Allez, viens. Cookie, non, 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 là.
assis. Cookie saute. Viens, viens, elle saute. Oui. Assis. C'est bien.